Clic, bonsoir cinéphile et cinéphile. Aujourd'hui, je vais vous parler de ceci. Et oui, vous allez me dire, oh, Marshmallow, les petits fantômes, Ghostbusters, SOS Fantôme, l'héritage. Et dans quoi est-ce que je peux l'envoyer? Une vieille ferme ou peut-être dans la voiture toute pourrable des Ghostbusters? Vous, si vous regardez le film ou si vous l'avez vu, vous comprendrez pourquoi. Allez hop. Comme d'habitude, synopsis. Bon, on annonce, et puis après on en parle. Une mère célibataire et ses deux enfants s'installent dans une petite ville et découvrent peu à peu leur relation avec les chasseurs de fantômes et l'héritage légué par leur grand-père. Et bien nous, on va aller voir où elle s'installe et qui sont les chasseurs de fantômes. What are you doing here in Somerville anyway? Honestly, my mom won't say it, but we're completely broke. And the only thing that's left in our name is this creepy old farmhouse our grandfather left us in the middle of nowhere. Why'd you bring me up here? Entertainment value. What is that? I don't know. Somehow, a town that isn't anywhere near a tectonic plate, that has no fault lines, no fracking, no loud music even, is shaking on a daily basis. Under the dining table, now! Hey, remember that one summer we died under a table? I found this in my living room. Whoa, killer replica. A replica of what? A ghost trap? There hasn't been a ghost sighting in 30 years. New York in the 80s, it's like The Walking Dead. Your dad never mentioned this to you? It's just my mom. My grandfather died. My mom says we're just here to pick through the rubble of his life. Wait a minute. Who are you? Call it luck. Call it karma. I believe that everything happens for a reason. Come on, darling. It has a gunner seat? Alors, j'espère que vous avez aimé cette bande-annonce. Ça fait peur quand même, hein, quand on voit qu'on va jouer sur un nouveau Ghostbuster, en sachant qu'il y avait le 1, le 2, puis après il y avait le Ghostbuster au féminin, sans être macho. Et là, on arrive avec un 4 qui s'appelle l'héritage. On se dit, waouh, qu'est-ce qu'on va avoir sur le coin de la tronche. Et là, c'est pas les femmes. Mais c'est des enfants. On se dit, waouh, qu'est-ce que ça va donner? Et ce qui est bien, c'est que déjà le réal a été chercher donc, des anciens protagonistes et rend même hommage à des personnes qui sont décédées. Et ça, c'est génial. C'est vraiment génial. L'histoire, elle est bien foutue. On retrouve plus ou moins les mêmes fantômes qu'époque, mais on va dire un petit peu plus modernisé. Ben oui, il faut vivre avec son temps. Comme le Bibadom Chamallow, ben on voit pas le gros Bibadom Chamallow, on voit les petits chamallows très petits, très mini, très mimi aussi. Puis après, ils sont plus tellement mimi, hein, moi je vous le dis. Mais franchement, bien, on a bien rigolé, l'histoire est vraiment bien foutue. Mais encore une fois, j'espère qu'ils vont s'arrêter là.
parce que trop tue trop. C'est comme là, on attend une chose qui va sortir. Vous allez avoir encore un scoop aujourd'hui. Oui, oui, c'est bien. Et en plus, c'est bien parce que c'était sorti à la même époque, si je me souviens, des Ghostbusters 1 et 2. Eh bien, il y a un Gremlins 3 qui va arriver en 2023, produit par Steven Spielberg. Et ce qu'il fait, moi, ce qui me fait peur, j'espère que ça ne va pas être que des images de synthèse, mais qu'on va retrouver peut-être de l'animatronique comme avaient les Gremlins à l'époque. Sinon, ça n'aura vraiment pas du tout le charme. Pourquoi on dit ça? Parce que le Slasher et moi, on connaît des personnes, une personne qui a des véritables Gremlins qu'il a pu acquérir, parce que c'est un fan, et ça a tout son charme. Maintenant, en image de synthèse, ça restera quelque chose de collé sur l'écran. Voilà. Alors, ben, que dire? Merci à Monsieur Redman, voilà, Monsieur Redman, d'avoir rendu cette belle lettre de noblesse à ce film, car oui, Monsieur Redman, il a fait ce film, et puis quelques temps après, il est décédé même, voilà. Beaucoup de nostalgie en revoyant ce film. Merci d'avoir ajouté des clins d'œil. Je veux à Noël des petits bonhommes marshmallow. C'était super, super moment de bonheur. Et un retour en arrière pour ma part. Oui, 30 ans, c'est énorme. C'est énorme. On se dit, qu'est-ce qu'on en prend plein la tronche à se revoir pour la première fois en train de regarder un film culte et de revoir ce film bourré d'action, bourré d'humour. Voilà, c'est... Quand j'ai regardé le film avec au cinéma et après avec le slasher à la maison, une mouche, on n'entendait pas voler, quoi. On n'entendait pas voler tellement qu'on regardait le film et on était vraiment, vraiment... On était sur le cul. En plus, c'est de l'Atmos, donc que voulez-vous, c'est super, super, quoi. Alors, doublé anglais, allemand, français, turc. Sous-titres anglais, néerlandais, arabe, français, allemand, turc. Langue turque Dolby Digital, allemand et français DTS 5.1. La note que j'ai donnée, 7/8 sur 10. Comme je vous ai dit, ça n'égalera jamais le 1 ou le 2. Par contre, même pour vous dire, hein, on a même été chercher Sigourney Weaver dans celui-là. Donc, pour vous dire, quoi. Et hop, encore un autre scoop, Sigourney Weaver sera à l'affiche de l'Avatar numéro 2. La réalisation est de Jason Reitman, histoire originale donc de Don Aykroyd avec Harold Ramis d'après leur personnage. Scénario est de Jill Keenan et de Jason Reitman. Production est de Ivan Reitman avec donc Carrie Coon, Paul Rudd, Finn Wolfhard, Mecna Grace, Logan Keane, Celesta O'Connor. Musique est de Rob Simonsen. On a la BO, on en parlera peut-être si vous voulez un jour. Je peux dire que c'est quand même chéro pour une BO, un vinyle. Mais quand on aime, on ne compte pas. Photographie de Eric Stelberg, montage d'Anna Is Girls Man, pardon, Natran Orloff, décor est de François Audoury, costume est de Danny Glicker, effet visuel, bravo à Shena Dougal. Alors, effet visuel toujours, Alessandro Ongaro, Paul Perez, durée du film 2h04, on voit pas la durée passer, comme je vous l'ai dit, hein. Quand on aime, c'est super. Édition Sony Pictures, distribution par ESC, sortie vidéo le 6 avril 2022, date de la sortie en salle était le 1er décembre 2021, donc c'était super bon pour les fêtes de fin d'année. Et durée cinéma, c'est la même durée, donc 2h04. Contenu, on a du 4K et du Blu-ray du film. Alors, en bonus, on a Invoqué l'esprit, le making-of, le guide de Garahid des gadgets de SOS Fantôme, effet spectro, le fantôme de l'au-delà, ramener Ecto 1 à la vie, détail ultime sur les Easter Eggs pour les fans, SOS Phantom, un regard en arrière, un regard vers l'avenir, scène coupée, n'est-il jamais trop tard? Voilà, franchement, procurez-le-vous, il vaut la peine. Allez, ciao les amis et à bientôt.